Le Maroc serait-il l'enfant gâté des bailleurs de fonds internationaux ? Depuis quelques années, le royaume a développé un véritable savoir-faire pour attirer euros et dollars, ce qui hisse le Maroc au premier rang des pays à bénéficier du soutien financier de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Un peu comme si ces derniers voulaient tout mettre en œuvre pour soutenir la croissance du pays, créer des emplois et éviter au royaume de vivre son printemps arabe. En 2012, le Maroc a ainsi été le pays qui a le plus profité de l'appui financier de l'Agence française de développement, de la Banque africaine de développement ou de la Banque européenne d'investissement. L'an passé, ces institutions ont financé des projets marocains pour près de 3 milliards d'euros. La récente visite de François Hollande au Maroc a permis de faire un point sur la générosité de Paris. L'Agence française de développement totalise près de 2 milliards d'euros d'encours au Maroc à fin 2012. Et les engagements de l'agence ne cessent de croître. 2012 a en effet été une année record pour l'AFD au Maroc, avec 831 millions d'euros de conventions signées. Un montant à comparer aux 380 millions d'euros en 2011 et aux 174 millions d'euros en 2010. Sur le terrain, l'AFD apporte son appui aux priorités du pays. Renforcer la compétitivité économique du royaume et la création d'emplois. Réduire les inégalités sociales et territoriales. Et favoriser une croissance durable. Les financements de l'AFD profitent aussi bien au programme du gouvernement qu'aux entreprises. En 2012, les financements ont accompagné les plans de développement sectoriel du gouvernement, comme le plan Maroc Vert pour l'agriculture, le plan Émergence pour développer l'industrie, ainsi qu'un soutien au plan solaire dans les énergies renouvelables. En 2012, l'Office chérifien des phosphates, l'Office national des chemins de fer, l'Agence nationale des ports et l'Office national de l'électricité et d'eau potable ont bénéficié de plus de 500 millions d'euros de prêts de l'agence française. Parmi les projets aidés, le dessalement d'eau de mer, la construction de la ligne à grande vitesse Kénitra-Tanger, l'extension des ports et le renforcement du réseau électrique. De son côté, la Banque africaine de développement affiche un soutien identique. En une journée, le 19 décembre 2012, le Maroc a bénéficié de 533 millions d'euros de prêts et de dons de la BAD. L'objet ? Financer des projets dans la gestion de l'eau et les énergies renouvelables, comme par exemple contribuer à l'électrification de 3000 villages ruraux. En 2012, la BAD a approuvé une enveloppe globale de 1,1 milliard d'euros au profit du Royaume. Et au total, la Banque de développement finance 29 projets marocains, totalisant environ 2,7 milliards d'euros. Même enthousiasme de la Banque européenne d'investissement. Après avoir fortement soutenu l'Europe de l'Est, la BEI a fait des pays méditerranéens l'une de ses priorités. Elle veut notamment accompagner des pays qui vivent une transition démocratique, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. Mais là encore, c'est le Maroc qui tire le mieux son épingle du jeu. Sur les 1,7 milliard d'euros prêtés par la BEI à ces quatre pays du Sud en 2012, le Royaume s'en est adjugé 1 milliard. C'est un montant record historique visant à accompagner la mutation économique du Royaume, a expliqué Philippe de Fontaine-Vive, le vice-président de la BEI. Il s'en est expliqué début mars à Paris en présentant le bilan 2012 de la banque. 2012 aura été marqué par une floraison de projets au Maroc. Nous souhaitons, dans les autres pays qui connaissent ce processus démocratique, avoir en 2013 un flux de projets à financer. En tout cas, c'est déjà bien parti pour le Maroc. L'objectif pour 2013 de la BEI est de faire aussi bien au Maroc qu'en 2012, a-t-il déclaré. Et ce n'est pas fini. La Banque islamique de développement a accordé de son côté plus de 700 millions d'euros d'appui financier au Maroc depuis 2007, dont plus de 200 millions d'euros en février dernier pour financer des projets dans l'énergie, l'eau et la construction de routes. À ce rythme, le Maroc pourrait bien également devenir rapidement le premier client de la Banque islamique de développement.